Bien, aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog numéro 2 ou numéro 3. Non, numéro 3. Ça y est, c'est que le début, je sais déjà plus. Donc oui, c'est d'autres le. Oui. Oui, parce qu'il sort aujourd'hui normalement. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche 3 décembre. Mais vu que hier j'ai passé ma journée sur Paris et aussi sur la route, c'était un peu compliqué de vous filmer un blabla, hein, on est d'accord. Donc je vous retrouve le lendemain, il est 9h37. Voilà, mais bien sûr, vous aurez un vlog demain, ne vous inquiétez pas. Je vais juste, voilà, vous montrer mes achats que j'ai effectués hier. Et aussi ouvrir la case numéro 2. Parce que hier, on est parti à 4h30 du matin. Donc sinon, je n'avais pas vraiment le temps d'ouvrir une case du calendrier et de vous faire un blabla aussi. On est d'accord. Donc, je parlerai de la journée d'hier juste après. On va d'abord ouvrir la case numéro 2. Donc, c'est une petite case aujourd'hui. Et comme ceci, j'aime beaucoup la carte, elle est magnifique. Ah, non, c'est même pas. Ah, si, c'est. Ah, oui, ok, d'accord. En fait, c'est un rectangle de feuilles. En fait, ça, c'est un élément que ma mère a collé. Voilà. Ça, c'est un... En fait, ça, ça vient de chez Action pour les personnes que ça intéresse. Si vous voulez décorer vos cadeaux de Noël, peut-être. Qui sait, je ne sais pas. Le numéro 2.
Ça veut dire ouvrez-moi, non? Un truc comme ça. Je suis nulle en anglais, je suis pas sûre que c'est ça, mais normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça, par contre, je ne sais pas du tout. Enfin, je traduis. Alors, c'est épais, mais en même temps, c'est mou. Donc, je pense que ça doit être quelque chose qu'on a dû commander sur Mercerie Extra. Mais après quoi? On va pas vous dire. On va ouvrir, on verra bien. Ah, elle m'a mis tous les zips. Ok, ah non, je crois que c'était tous les zips que j'avais commandé sur Mercerie Extra, oui, tout à fait. Alors normalement, j'ai pris des zips au niveau de la longueur assez grande pour pouvoir ensuite les couper si j'ai besoin de plus court. Ok, alors j'ai pris quoi déjà? Des fermetures simples, basiques, donc comme ça. Je pense que j'ai pris des 55 ou des 50-60 maximum. Je ne sais plus la longueur. Donc là, j'ai pris un rouge foncé comme ça. J'ai pris un normal comme ça, un blanc crème. Pareil comme le rouge. Voilà. Là, on a un zip séparable. Non, ah, oh, il est vachement épais celui-là, dis donc. Il n'est pas séparable celui-là, mais il est vachement épais par rapport aux deux autres. Ok. Donc ça, c'est aussi classique, hein, non séparable. Là, j'ai pris aussi des fermetures invisibles assez grandes. Donc j'ai pris une blanche. Une noire, qui est un peu bizarre au milieu, mais bon, c'est juste replié, c'est rien. Et j'ai pris aussi une blanc crème. Voilà, des couleurs assez classiques hein, quand même. Et là encore une non séparable, j'en ai pris quand même pas mal, dis donc. Mais c'est vrai que j'en ai pas des grandes comme ça, des fermetures à glissière basiques, on va dire comme ça, non séparables. Donc c'est vrai que j'en ai profité. Eh ben cool, c'est bien pour un deuxième jour, dis donc. Bon, il faudra que je remette tout dans la pochette, du coup. Donc la pochette, elle est venue avec la commande Mercerie Extra. Ce qui est très pratique, je trouve, dans les commandes Mercerie Extra. Bon, après, c'est vrai que ça fait beaucoup de plastique. Mais bon, au moins, c'est bien rangé. Il n'y a rien qui traîne dans la boîte, quoi. Bon, moi, c'est bien rangé. On est d'accord. Donc il faudra que je fasse ça. C'est tout pour la case numéro 2. Maintenant, je vais passer à ma journée d'hier, donc ma journée au CSF pour la première fois de ma vie. Je peux vous dire que ça y est, j'ai réalisé un rêve de gosse. Je suis très contente, voilà. Et en plus, j'ai passé la journée avec des personnes formidables. J'ai rencontré des personnes aussi formidables. Surtout, on a rencontré deux abonnés qui me connaissaient. J'ai pu aussi voir des créatrices que normalement on voit sur Instagram. Bah, j'ai pu les voir en vrai, alors j'ai pas trop discuté parce que je reste quand même une personne timide, bien sûr. C'était vraiment super, ça a été un moment inoubliable. Voilà, même pour vous dire, quand on est parti dans la voiture, j'ai pleuré deux fois. Mais vraiment, j'ai pleuré deux fois parce que vraiment, j'ai passé une bonne journée. J'ai pu être moi-même, etc. et tout. Et ça fait du bien quand même. Je vais pas vous le cacher. Donc, c'est chouette quoi. Et vraiment super. Donc, j'ai passé la journée avec Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Maria de Cousette ou les Cousettes de Maria sur YouTube. Je sais plus s'il y a les Cousettes de Maria sur YouTube. Je ne sais plus. Je revérifierai ça tout à l'heure. Avec Jen de la chaîne Jen Création Couture et de Paul de Peste et Choléra. Voilà, on a passé vraiment une super journée. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette journée qui était vraiment géniale. On a bien rigolé et tout. Donc vraiment, et puis on a pu prendre aussi le temps de regarder les stands qui nous intéressaient et tout. Et vraiment, c'est bien. Par contre, il y a énormément de monde. On a remarqué que le matin, il y avait énormément de monde. Et l'après-midi, par contre, ça s'est calmé. Vraiment vers 15h, on pouvait marcher tranquillement dans les allées, on n'était pas écrasés, comme la chanson de Patrick Sébastien, serré au fond de cette boîte comme des sardines, quoi, tout simplement. Voilà, oui, j'ai des références, désolée. Et sinon, ouais, c'était vraiment chouette. Alors j'avais une idée en tête quand même de ce que je voulais m'acheter. C'était sur le stand de Charlotte Jobert. Je voulais m'acheter un coffret couture sur le patron Tipa, de la brassière Tipa, mais ils en avaient plus
Bon, je m'en doutais un petit peu, hein. Donc bon, c'était pas très grave. Mais j'ai quand même acheté le patron pochette. Au moins, c'est pas perdu. Et en plus, j'ai eu la chance de me faire servir par Charlotte, hein, elle-même. Pour vous dire, j'ai vraiment eu de la chance. Et en plus, elle est adorable. Elle m'a donné des conseils donc, pour pouvoir faire une toile. Donc, je vais acheter le nécessaire, du coup. Voici la belle pochette de... du patron, qui est vraiment tout simple, tout basique. Hop. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, du coup. Donc, on a le livret, qui est très joli. Donc, c'est ce modèle-là, en fait. Je vous mettrai peut-être une photo du site de Charlotte pour vous montrer quand même un peu mieux le modèle. Oh, on a des autocollants. Je viens de voir à l'intérieur ce que j'avais pas vraiment regardé hier. Des autocollants, c'est trop mignon. Et une petite carte. Trop jolie. À part si on peut peut-être voir un peu mieux le modèle. Ouais, on verra peut-être un peu mieux dans le livret. Donc voici le modèle. Ça fait un moment que j'avais envie de m'acheter un coffret ou même le patron. Alors, s'il y avait eu le coffret, je l'aurais acheté, bien sûr. Mais il n'y en avait plus. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai pris au moins le patron. Pour le prix, je ne sais plus. C'est ma question. J'ai vachement une bonne mémoire, à pas dire. Puis j'ai payé ça en monnaie, on va dire comme ça. En espèces. Je crois que ça devait être quoi, 17 et quelques. Un truc comme ça. C'est à peu près les prix des pochettes, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, on a la planche de patron. On sait pas, c'est pas ça qui prend le plus de feuilles quand on achète en PDF. Mais bon, vu que j'étais sur place, je me suis dit, allez, vas-y, je prends le patron. Vu qu'il n'y a pas le coffret, bah on prendra au moins la pochette du patron, hein, du coup. Le patron pochette, plutôt, pardon. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez Charlotte Jobert. Ensuite, je suis allée sur le stand Super Bison et je voulais m'acheter le patron Sésame, qui est le blouson un peu Bomberts. C'est vrai que ça fait un moment que j'aimerais bien essayer ce Bomberts. Surtout qu'il a des poches. Voilà, ma mère me dit souvent, tu devrais te faire des vêtements avec des poches. Mais moi, j'aime pas les poches. Je m'en sers jamais en général. Donc, même si j'en ai ou que j'en ai pas, je les utilise pas. Mais bon, voilà. Mais sinon, surtout que bah, il donne vraiment envie. C'est surtout un peu à cause des stories sur Instagram de Blondie Mercerie qui montre un peu comment ça se passe les cafés couture qu'elle organise dans sa boutique. Et je vois beaucoup de personnes qui réalisent ou qui ont réalisé ce patron. Bah, ça donne envie, à force. Donc vous avez trois variantes. Vous avez version basique, donc je pense que c'est celle-là, du coup. Version avec des coupes, ici. Et vous avez une version avec des épaulettes, qui se trouve juste ici. C'est quand même pas mal, hein. On a une vidéo explicative sur YouTube, il y a un hashtag derrière. Niveau de couture, ils disent expert. J'espère que je vais y arriver, du coup. Et c'est écrit, je ne sais pas pourquoi c'est écrit version enfant plus ado plus homme. Est-ce que vous saurez, vous savez pourquoi? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup. Et après, au niveau des tissus, si ça peut vous intéresser, si vous avez envie de vous l'acheter en PDF, qui sait, parce que je sais qu'il est disponible en PDF. Vous pouvez utiliser du tissu, c'est écrit qu'il faut du chêne et trame déjà. Vous avez drap de laine, jean, velours, jacquard, viscose, satin, dentelle, chambré. C'est ce qui est écrit derrière. Après, je pense qu'on peut utiliser du coton, etc. Je pense aussi. Pour le prix, ça doit être à peu près la même chose. Je vous mettrai peut-être le prix des patrons pochettes qu'il y a sur leur site. Je pense que ça va être à peu près la même chose au niveau du prix. J'ai quand même regardé, bien sûr, les autres patrons de la marque, parce qu'il y avait un petit livret. Mais vraiment, je voulais celui-là. C'était le Graal. Vraiment, j'avais quand même des petites idées de ce que je voulais acheter quand même. Après, niveau tissu, j'ai rien acheté. Et pour terminer, j'ai acheté un petit carnet de couture sur le stand Patterns for You. Vous avez le nom juste ici. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je m'étais amusée à faire des fiches création. Mais en fait, j'ai la flemme à chaque fois, il faut que je les imprime. Après, les remplir, c'est pas le souci numéro 1, bien sûr. Mais il faut les imprimer, j'ai la flemme. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a une première fiche. J'ai trouvé que c'était super bien organisé.
et voici l'autre page. Donc ce qui fait que ça donne ça. Voilà. Et en plus il était pas cher, c'était 4,90€, oui, 4,90€. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, il y avait plusieurs modèles au niveau de la présentation, j'ai pris celui-là, très simple, très sobre, tout ce que j'aime, vraiment. Et vraiment, il y a quand même pas mal de fiches projet création à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et je pense noter mes vêtements que j'ai cousus au mois de novembre, du coup. Parce que j'avais fait ça sur ordinateur. J'avais tapé tout ça sur ordinateur parce que j'avais vraiment, vraiment la flemme d'imprimer mes feuilles. Je pense que je vais faire là-dedans, du coup. Donc ça, c'est chouette. Mais aussi, on a découvert, bien sûr, des marques que je ne connaissais pas ou que j'avais déjà entendu de nom. Donc là, par exemple, on a Clematis Patterns. Voilà, j'ai pris des petits flyers, des petites cartes. Voilà. Et avec Paul, on avait flashé sur une robe qui est la Calista. Et celle-ci, voilà, qui est très très jolie. Par contre, elle a été victime de son succès, il n'y avait plus du tout de stock. Je comprends parce qu'elle est très très jolie. Peut-être que je l'achèterai en PDF, qui sait, ou en pochette sur leur site, je ne sais pas, je verrai bien. Et ils ont Instagram, Facebook, YouTube et leur site internet. Juste ici. Si vous voulez faire peut-être un screen, je sais pas si vous arriverez à flasher les QR codes du coup, je ne sais pas. On est tombé aussi sur une marque de patron, vraiment que je ne connais absolument pas. Je vous dis le nom, je sais pas comment il se prononce. Il est comme ceci. Voilà. Propose des patrons, des tissus sur leur site, si je me souviens bien. Et on avait surtout vu avec Cathy des patrons de déguisement pour enfants. Ils sont très jolis. Pas pour adultes, malheureusement, mais très jolie. J'ai pris la petite carte de Patterns for You parce que je trouvais la carte trop mignonne. Regardez, c'est une machine à coudre. J'aime trop. Et pour terminer, on a découvert, mais j'ai pas acheté de tissu chez eux, mais vraiment, leur univers est vraiment très joli. J'irai faire un tour sur leur site. C'est la maison Navi, je crois. Je suis pas sûre d'avoir bien prononcé. Par contre, la carte a pris un peu cher dans le sac. Mais sinon, voilà. Pour les personnes que ça intéresse. Vraiment, les tissus sont vraiment très très jolis. Et sinon aussi, je vous ai pas dit, mais pour le salon, j'avais rempli un formulaire sur leur site. Et j'ai pu avoir un billet affluence. Alors que je me considère absolument pas comme une influenceuse. Mais c'est pas grave. Mais bon, j'étais quand même très contente. Hein, au moins... Bon après, vraiment, si j'avais pas eu ma place d'affluence, on va dire comme ça, sincèrement, j'aurais payé ma place, hein, comme tout le monde. Même à un moment, j'hésitais à ne pas remplir le formulaire et à payer ma place, pour vous dire. Donc, vraiment jusqu'au bout. Hein. Moi, je voulais vraiment être la plus transparente possible. Et après, je me suis dit, allez, on va essayer, on verra bien. Alors, pendant une semaine, j'avais pas une nouvelle. Je me suis dit, oh bon, bah, peut-être que je n'aurai pas le droit à cette place. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je payerai la place, du coup, c'est pas un souci. Mais j'ai eu quand même, après, au bout d'une semaine, ouais, une semaine après, à peu près, bah, j'ai eu une réponse comme quoi c'était bon. Donc, j'étais très contente. Voilà. Voilà pour mes achats. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup craqué. Clairement. Mais il y avait quand même des très beaux tissus. Mais sinon, il y avait quand même des très très beaux tissus. Mais. Pour être honnête, c'est vrai que c'était un peu cher, quoi. Voilà. Mais vraiment, si j'aurais eu un coup de cœur, oui, je me serais fait ce plaisir parce que j'avais pas du tout tout dépensé. Hein. Vraiment, même pas grand-chose, hein, clairement. J'ai pas dépensé beaucoup, vraiment, sur le budget que j'avais prévu. Après, oui, de temps en temps, se faire un gros plaisir et acheter un tissu vraiment coup de cœur, même si le prix est cher... Oui, je peux le faire, il n'y a pas de souci, mais je vais pas le faire sur les 12 mois de l'année. Hein. Voilà, je vais peut-être faire ça une ou deux fois dans l'année et ça s'arrête là. Voilà. C'est pas que je privilège pas la qualité à la quantité, c'est juste que bah, des fois, des tissus vraiment à des prix assez bas au mètre, bah, ça peut valoir aussi totalement le coup. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. J'ai pas envie qu'on me critique et je critique personne, donc j'espère que personne n'aura de critique par rapport à ce que je dis. J'espère. Du coup, je veux que ça soit quand même dans la bienveillance. Je pense que j'aurai pas de problème avec ma communauté, donc voilà, mais je préfère quand même mettre les petits points sur l'i vraiment gentiment, bien sûr.
Mais oui, après, je comprends totalement qu'il y a des personnes qui ont envie d'acheter des tissus un peu plus chers, mais qu'ils achètent moins de tissus. Mais au moins, ils ont des tissus de qualité. Vraiment super, hein, j'aimerais bien, mais voilà, j'ai pas non plus. J'aime bien me taper le coude sur les bureaux, c'est pas possible. Vendredi, j'ai eu la même chose. Bon, bref, je sais plus ce que je disais du coup. Ça m'a fait peur en plus. Ce matin. Oui, je disais que voilà, on n'a pas tous le même budget, mais comme je dis, ça peut aussi m'arriver. Mais c'est vrai que sous le salon, j'ai remarqué que les tissus étaient un peu chers au mètre. Mais si vraiment j'avais un coup de cœur, lui, j'aurais acheté. Mais il n'y en a pas eu. Et comme je me dis souvent, j'ai pas acheté un tissu pour me la péter et dire regardez, j'ai acheté un tissu. J'en ai pas acheté, j'en ai pas acheté. J'ai acheté quand même des patrons pochettes. J'ai passé un super bon moment. J'ai découvert des marques que je connaissais pas et tout. Voilà. Si à un moment je voulais acheter, j'ai complètement oublié parce qu'après j'étais crevée en fait. Je voulais acheter, il y avait un stand de fil polyester, je sais plus du tout, je sais plus, qui est d'une marque française en fait. Et je voulais tester parce que Jen, elle m'avait dit qu'elle avait déjà testé cette marque de fil et elle m'avait dit qu'ils étaient vraiment de super bonne qualité. Et j'ai complètement oublié. Voilà. Donc je ne sais plus c'est quoi le nom de la marque. Je ne sais pas s'ils ont un site internet du coup. J'aimerais bien essayer. Donc peut-être que s'ils ont un site internet, bah, j'essaierai de passer commande chez eux du coup pour tester leur fil. J'ai complètement oublié. Quand j'étais dans la voiture, bah, sur le retour, j'ai fait ah! Les fils. Ouais, bon, bah tant pis. Salut. Ah, j'essayerai s'ils ont un site internet, j'essayerai de commander chez eux du coup. Mais voilà, sinon j'aurais acheté ça en plus, mais il n'y aurait pas eu de tissu, quoi. Après, je sais que j'ai pas besoin de me justifier, mais j'ai besoin quand même, voilà, d'en parler. Parce qu'on m'avait demandé de parler de mon impression par rapport à ce salon, mais qui est vraiment très très bien. J'ai eu des retours de personnes sur Instagram qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu déçus et tout. Alors, je peux comprendre, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant que ça des stands par rapport au tricot. Parce qu'une personne m'avait dit qu'il y avait énormément de stands de tricot. J'ai pas fait gaffe, pour être honnête, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de marques, quand même de patrons, de tissus. Après, il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait pour tout le monde, hein. Voilà, c'est un salon de loisirs créatifs, hein. Faut pas oublier, il n'y a pas que la couture, il n'y a pas que le tricot non plus. C'est vrai que la partie fil, l'art du fil, est plus grande que les autres, hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher, il prend énormément de place cette partie-là. Mais après, il en faut aussi pour tout le monde, hein, parce que l'art du fil, c'est pas que la couture. Il y a de la broderie, il y a du point de croix, bah, il y a aussi le tricot, le crochet, voilà, il en faut pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. On peut pas, si ça aurait été vraiment que sur la couture, bah, ça aurait été un salon de couture, sur le thème de la couture, à 100%. Je n'ai pas été plus déçue que ça. J'ai été raisonnable, je suis contente, c'est principal. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon impression, par rapport au CSF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous laisser, puisque là je dois faire le montage de ce vlog que je n'ai absolument pas commencé. Il est 10h20, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence cette partie de vidéo, parce que je suis crevée. J'espère que ce vlog numéro 3 vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain!